Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez? Je m'appelle Yos Clark. Et vous allez nous proposer quoi ce soir? Je m'appelle Kwadjo Yos Marcel Clark. J'ai 21 ans. Mon incroyable talent, c'est la danse classique. La danse classique m'a passionné, disons, à l'âge de 8 ans, en regardant la série Undo Stress. À 17 ans, j'ai commencé à travailler un peu plus ma souplesse. J'ai commencé à me prendre des photos et les balancer sur Facebook. J'ai rencontré une dame sur Facebook qui m'a proposé de me donner des cours et on faisait les cours sur Skype. On s'est pratiquement jamais rencontrés, on se voit seulement sur Skype. Allô? Ça va? Ça va. J'ai une nouvelle à vous annoncer, j'ai été pris pour Incroyable Talent. C'est génial! Ouais. C'est génial! Je dois préparer un solo classique. Là, ça me stresse un peu, mais bon, je sais pas. Ouais, le stress, ça fait partie du plaisir. Je la considère un peu comme une mère parce qu'elle me donne certains conseils et des conseils assez utiles, que ce soit pour la scène ou dans la vie courante. Je l'aime énormément. Tu vas demain? Oui, oui. Peut-être, si vous étiez là, ça allait être peut-être bien. Ouais. De me coacher un peu. Avec le cœur. Mais moi aussi, j'aimerais être là. En tout cas, merci beaucoup. J'appréhende ce moment-là de monter sur scène ce soir. Même si ce n'est pas aussi nouveau pour moi, mais il y a toujours de nouvelles émotions, que ce soit avec le public ou pratiquement les personnes qui s'y connaissent dans le milieu de la danse, qui vous regardent. Ça me stresse beaucoup. C'est tout. Mais bon, ça peut aller, je pense. Alors, qu'est-ce que vous faites là, Michel? C'était pas possible de pas venir pour être avec Yos, donc j'ai pris un avion et me voilà. C'est important pour lui et important pour moi. Ben, en tout cas, ben, j'ai envie de vous dire bonne chance. Merci. Qu'on vous explique ce qui se passe. Il a appris de la danse depuis l'étranger sur internet avec une prof qu'il aime et qu'il adore, et elle a effectué le déplacement spécialement pour voir sa prestation et venir le soutenir. C'est une surprise pour lui, il n'était même pas au courant. Toute l'émotion. Allez, vas-y, viens.
respirez. Respirez. Bonsoir, madame. Bonsoir. Ben, merci pour cette jolie surprise. Oui, c'était important, important que je sois là. Je sais que ça lui tenait à cœur. Et c'est quelque chose d'important dans sa vie, la danse. Et quoi qu'il arrive, c'est de toute façon une très belle aventure. Je suis très, très touchée, très émue. Parce que déjà, par la danse classique, on n'a pas... C'est pas une forme que nous connaissons sur le continent. Et de surcroît, par un garçon. Et là, je voudrais juste dire, il a été au plus profond de lui-même. Parce qu'il y avait un tel élan de solidarité dans la salle qui surpassait la musique. Il est quand même resté dans sa chorégraphie. Il est allé au bout de sa chorégraphie. J'ai envie de vous lui dire bravo, bravo, bravo. C'était un élan d'encouragement. La danse classique peut aussi être faite par un autre corps, une autre forme de corps et un autre lieu sur un autre continent. Donc je suis très émue et bravo et merci. Moi, je dirais que voir un corps africain danser un ballet classique, tout est possible. Quand on est africain, on peut rêver de faire n'importe quoi. Et l'Afrique a un incroyable talent, c'est justement ça. Pour permettre à tous les talents qui n'ont pas d'endroit où aller pour montrer ce qu'ils savent faire, de pouvoir venir ici, même s'ils ne finissent pas le concours. Et ce n'est pas grave, c'est de faire le point en disant « on peut ». Je salue sa performance. Le jeune élastique... Félicitations et j'espère que tu continueras et puis tu avanceras dans ta carrière, même si tu gagnes rien ce soir ou dans, dans un mois. Donc, mais continue quand même. Merci pour ce moment. Va voter. Ne bouge pas. Surtout pas. Essuie tes larmes et garde ce sourire. Alors, Mister Fally Pupus. Je te donne un oui parce qu'il n'y a pas deux, trois, quatre, on ne sait jamais. Depuis là, on n'a pas vu des danseurs classiques. Non. Donc, je te donnerai un oui. Merci. Moi aussi, je donnerais un oui parce qu'on a besoin d'avoir un talent comme toi. Alors, vous avez un 3 oui. Prochaine étape, prochaine étape, s'il vous plaît. Merci. Merci d'être venu. Bravo. J'ai rencontré, non, c'est la première fois, c'est un grand jour, et pour lui et pour moi, je crois. Bon, ce que j'ai ressenti quand j'ai vu Michel, c'était plus un choc que... parce que je ne m'attendais pas à ça, vraiment. L'accueil du public, bon, je n'y attendais pas, il y avait un soutien que je n'imaginais pas, quoi. Oui, on va travailler un petit peu avant que je reparte, et puis il va voir ce qu'il va faire pour la demi-finale, si... c'est quelque chose de nouveau, si on va retravailler, on va voir avec lui. Je suis très content de pouvoir travailler avec elle parce que pour une fois, ça fait... C'est pas sur Skype qu'on a réussi de travailler. Ça va peut-être être pas marrant en fin de compte. Tiens ton dos, tiens tes bras. Ça va peut-être pas être très drôle, oui. Tout qu'on te fait. Non mais c'est mieux.